Fricassé Océane. Mais mais quoi? Attendez, je peux utiliser la fricassée océane pour faire plus de fricassée océane. Parce que la fricassée océane, c'est considéré comme du poisson, si tu veux. Mais c'est pété. Déchets alimentaires, du pain et de la viande, je vous déteste. Ouais, c'est bon, bah j'ai le sac surchargé, mais tu veux ça va le faire. Non, 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 ça va, New Bouffe. Allez, go. Je dis ça parce que j'ai genre trop... Je le sais. Garde donc tes 14 omelettes de pigeon là. Putain, attends, je me fais 500 grammes deux fois, donc 1 kilo de fricassé océane si tu veux. Ah putain. Mec, non, qui va ronfler cette nuit. 1 kilo de poisson avant d'aller au Plumard si tu veux, c'est la violence. Tout va bien. Y'a quoi dans votre sac, monsieur? 15 kilos de thon à la tomate, pourquoi? Mec qui vend de la mozza mais à la tonne, tu vois. Ça fait chier, bah, je crois que... Bon, écoute, je vais tenter celui-là. De toute façon, putain, non, attends, on va tomber. Attends, mais il y a peut-être celui du Nord aussi. Tu sais pas, si tu veux. Ouais, mais c'est celui-là qui me chauffait. Au pire, on refait la route, ouais, voilà. On fait la route. Aussi. Allez. Oh là là. Oh, oh, ah, je oh incroyable. Incroyable. Oh putain, la veine. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et nous sommes en compagnie de Jay. Jay qui a trouvé la poignée. Bonsoir, Jay. Ah oui, c'est mes poignées d'amour, en vrai. Oh salut, attention, les amis. Ah putain, il la joue en mode ultra instinct. Non, attends. La couleur de cette corde est très légèrement différente. Je dirais qu'elle est ocre. C'est le mec qui a des super pouvoirs. En fait, c'est vrai que c'était un bug d'affichage quand tu étais tombé. Et c'était celle qui était restée dressée. Ah. C'est pour ça. Ah, mais je et me suis dit, ça se trouve, c'est juste un bug. D'accord, ouais. Bah non, ça se trouve, ça fait ça. Effectivement, toutes les autres s'abaissent si oh tu actives le piège. Clé mort de prière, ma gueule. Oulala. Oh, un miasmapod. Ça fait quoi, ça? Renferme les blessures, mais rempoisonne. Et elle soigne immédiatement les infections. C'est cool, ça. Alchimie, potion de résistance majeure. Bon, ouais, je me sers. Hein. La clé mort de prière. Plaisir. Attends, 32 et 33. Je pense que mon épée est meilleure, mais... Prends les autres potions que tu veux, mais... J'ai plus de place. De toute façon, on prend tout. Ouh là là. Oh le GG. Pardon. Oh là là. Oh là tout là. Ceci est tourné un vendredi soir, et sachez que si je suis en surpoids, brave Jean, à 105 kg sur 85, c'est parce que j'ai 18 fricassés océanes à 9 kg. Le mec veut m'endormir. C'est ça, la violence. Ah. J'ai aussi beaucoup trop de viande séchée, putain, mais j'ai trop de bouffe, en fait. Donc je me nourris un peu à la va-vite. Fais voir. 32. Plat utile. Plat utilise digestion sur GL, c'est très efficace. J'avoue. Alors attends, regarde un peu la gueule du truc. Tu sais quoi, elle me rappelle l'épée qu'il y a dans Fable. L'épée de fin, l'épée de Jack of Blades, l'épée des âges. Mmh. C'est très très stylé. Les, hein. Les vrais jeux. Vous. Eh ben, elle est très classe. Hein. Ça va dans la collection si tu veux. Alors ça on a vu. Comme on a vu ça. Et le glaive de l'ancienne légion, fait voir. Ah, mais il y avait une porte là en fait. Prestige. En vrai. Soy incredibilis. Très bien. excellent. Excuse-moi. Donc, du coup, alors, tirons-nous. Du coup, les boucliers de l'ancienne légion, les glaives, je sais pas combien de pognon ça vend, mais j'avoue qu'un petit vendeur, ça ferait du bien là, parce qu'il y a moyen. Ouais, de... ça ferait son effet. On ouais, j'avoue qu'il y aurait une. C'est par là. Une petite répression sexuelle qui s'esquive, tu veux là. Ok, très bien. Allez, tirons-nous d'ici. C'était bien. On s'est fait un joli loot. Impeccable. Et ben, je te propose de tenter une autre. Un autre endroit dans cette zone, histoire d'avancer. Tout à fait. Mon objectif, ce serait ultimement d'aller dans la montagne et essayer d'aller obtenir de la magie, puisque c'est la question de beaucoup de gens qui jouent au jeu. Comment on fait pour avoir de la magie? On va dans la montagne violette du centre et on passe un rituel que Jal a déjà passé. C'est ça, je l'ai déjà passé et c'était ardu avec mon stuff de l'époque. Spoil pas. C'était ardu. C'était dur. Mais là, je pense que ça va plus être une promenade de santé. Alors où est-on? Moi, j'aimerais bien faire un tour. C'est par là. J'aimerais bien faire un tour aux ruines anciennes avant d'aller à la montagne. C'est juste à notre droite. Mm-hmm. Il faut juste qu'on passe cette montagne là qui est juste là. Alors, je suis pas sûr qu'on puisse la passer. Donc dans il faut la contourner. Il faut la contourner par le nord, si tu veux. Et regarde, ça fume sur la montagne à l'est, derrière l'arbre. À l'est. Il y a de la fumée là. Tu vois pas? Ah si, je vois. Ouais, tu vois. Ah, je crois que ça faisait partie... je ne spoile pas. Bon, il spoile pas, mais il y a un truc qui est intéressant. Donc allons-y. Donc moi, bien sûr, on court comme on peut, si tu veux. Puf. Je ne cours pas, étant donné que... Les gros à la piscine, ah, voilà. Si tu veux. Voilà, j'utilise quand même le masque de pigeon pour aller un petit peu plus vite. Ah, t'es moins surchargé. T'es surchargé à combien?
Je suis pas surchargé, j'ai fait de l'optimisation fiscale là-dessus. Bâtard, prendre la soupe à la tomate, me laisse pas comme ça. Non, mais je suis à 99 sur 100. Mais prends du potage que je ferai quoi que ce soit. Prends du potage de navet. Cet homme. Ta lampe est encore allumée. Ouais, de toute façon, elle est presque vide. Vous me faites bien de le rappeler, il faut que je la remplisse. Mes excuses. Cet homme qui a trop cuisiné. Voilà, très bien. Excellent. Maintenant qu'elle est pleine, allons-y. Alors. Ah. Est-ce que ça grimpe j'ai par là converti les ressources. Oh putain, ça a bugué. Ça y est. Allez, Coco, c'est parti. Moi, je dirais par là. Je t'avoue, n'être jamais monté tout en haut de cette colline-là, sur la gauche. C'est-à-dire de la montagne, la grande montagne, là C'est pas là que tu chopes la magie? La magie est au premier étage, là, quasiment au niveau du deuxième anneau, sur la gauche. Oh. Mais je suis jamais monté tout en haut. J'avoue, c'est vrai que c'est une aventure. C'est quelque chose qui se teste. Alors... Moi, je dis avant même d'aller dans la caverne de magie, mais sud, là, il faut aller plein sud. Je te suis. Si je dis pas de conneries, on devrait peut-être croiser notre marchand ambulant Jackie dans le coin. C'est vrai que Jackie, il permettrait de bien vider les couilles. Hein. On serait là, bonjour, j'ai 8 tonnes de mozzarella. Voulez-vous des tomates de votre jardin? Les vraies techniques de vente. Hein. Là, il y a une espèce de tour de garde. C'est pas les anciennes ruines. C'est la bête, hein. Parce que j'étais persuadé qu'il était là. Non, mais même pas des champignons, il n'y a rien. C'est la Attends, il y a quoi là? Est-ce qu'on est sur des vraies strates ou pas du tout? Attends, mais ça fait de la fumée là, c'est la puf-puf. Alors là, il y a une... C'est roche. Oulala, oulala. Où es-tu? Oulala, il y a une hutte de chaman et tout avec des... Non, mais regarde sur la map, je suis juste là, si tu veux. Ah oui, ah, d'accord, regarde. Tu peux rejoindre. Mais voilà, c'est ça. Il faut faire attention à pas tomber parce qu'on peut tomber, à mon humble avis, hein, si tu veux. Ah oui, ici, parce clairement. Parce que là, il y a un étage en dessous, si tu veux, donc c'est pas... C'est vénère. On peut entrer? Non, on peut pas entrer, ça sert à rien. Comment on fait pour aller en dessous, là, tel qu'on... Ah bah, il faut faire le tour, regarde, par là, mais on va pas y aller en dessous, là, c'est pas le but. Bah, moi, je voulais explorer les ruines anciennes, c'est là, si tu veux. Est-ce que ça te tenterait pas plutôt... Ah, ok, attends, regarde, ça y est, je viens de me situer. Juste là, tu as un deuxième camp de bandits, là en face de nous. Non, mais les bandits, on leur roule dessus, ils puent du cul. Oui, non. Oui, oui. Moi, je veux voir l'espèce de construction bizarre là avec le pont. Ah, je veux pas faire des choses intéressantes. Je refais. Allons-y, Bob. Merde, attends. Chute pas. Par où ça passe? Par où on passe du coup? Il y a un pont là? Par là, je dirais. Voilà, c'est par là. YOLO! Alors YOLO mais ouais, moins fort. Histoire de ça moins glissé, quoi. Histoire de moins se YOLOter les genoux comme Jal en mode YOLO paix. Aucune blessure grâce à mon casque d'oiseau. Oh là là. Quel piaf cet en homme. En vrai je vole. Il bat des ailes. Alors il y a un endroit de papillon pour pas se faire attaquer, sauf qu'ici on se ferait attaquer par quoi, c'est la grande question. Alors là il y a rien là, c'est non, juste pour le décor. Et donc il y a rien là-dedans là. Non. Attends, il y a une fontaine, je vais remplir mon eau. Vas-y. Et là, il y a une caverne. Ah ! Une caverne avec des cadavres dans des cages. Voilà ! Voilà ! Ça me parle. Là, on parle. La cachette des pirates ! Pirates ! C'est là. C'est la cachette de Tipiak, si tu veux. Donc, tu vois, c'est comme un. Le pirate. C'est comme un camp de bandits, mais mieux. Allons-y. C'est parti ! Bon. Allez, on va voir si Bob a raison ou si... Alors, il a dit de on va la voir merde. Si on va voir si j'ai raison ou si Bob a tort. Oh, cette réécriture de l'histoire par les vainqueurs. Mais je t'avais le moment dit, je t'avais de l'histoire qu'il fallait y aller. Où Jal avait raison et Bob avait tort. Vous étudierez ça entre la Seconde Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale en terminale. Choisissez une option. Alors. L'option LV2 coefficient 8, tu sais. Ah, mais c'est que je vois un pirate. Oh putain, éteins-moi ça, il est là. Ah, il est mort. Ah, super. J'ai une épée magique. Par la force de mon épée magique, taillée dans mon métal étoile, il met des coups de genoux fantastiques. Putain. Oh là 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 là, la PLS. Ouh. Bien joué. C'est bien ça. Nickel. Un képèche du désert. Les os du capitaine de gros fou. Dégâts, tu fais.
Oh, il a du vin de gabé, des restos cultes, une grande Edbrawl, 18$. Mais il a surtout du vin de gabé. Et des croissants, mon gars! Oh, petit croissant! J'en prends un, je te laisse l'autre. Nickel. Moi, je viens de trouver de la fricassée océane et une pioche. Ah non, de la fricassée océane, j'en ai là déjà. Ça va aller. Il me reste 19 si tu veux. Oh, note! J'ai navigué autour du monde, mais mon temps est venu. Le trésor que je laisse est petit, mais est précieux. Si vous méritez mon héritage, commencez votre voyage en allant dans la cabine de mon vieux bateau, enterré sous le sable. Ok. Billy, t'aurais pas plutôt laissé une carte, quoi, comme tout le monde? La cabine de son vieux bateau enterré sous le sable. Mais il a un képèche du désert, donc est-ce que ça veut dire qu'il est genre dans le désert? Oh, je l'avais pas vu comme ça. Y a de la réflexion chez cet homme. Vieux bateau enterré sous le sable. La culture, je dirais même. À mon avis, il a un képèche du désert, donc à mon avis, tout ceci se trouve dans le désert. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'il a pu s'échouer dans le désert, quoi. Une mer de dunes, je vois oui, très bien. Oui, mais c'est un fantôme mort, si tu veux. Ah, il y a un tas de merde. Ah, t'as tout vidé, putain, évidemment. Tirons-nous. Non, non, mais il n'y avait pas grand-chose. Évidemment. 250 pièces d'argent, qu'est-ce c'est que ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y avait pas grand-chose. Bon, eh ben ça va, c'était court. Et il y avait un fantôme. C'était court. Qui, en début du jeu, peut te mettre facilement en PLS, si tu veux. Oui, oui, c'est clair. Là, on l'a fumé, mais en général, les fantômes comme ça, tu souffres. Voilà. Alors, par contre, y a des gens qui disent, je crois me rappeler qu'il y avait un bateau abandonné dans le milieu du désert, effectivement, et vous l'avez déjà vu dans le désert, ce bateau, Bob. Très bien. Donc maintenant, il est débloqué, okay. Si tu veux. Ok, direction désert, du coup. Non. Non, on est à 3 mètres de la montagne. Je peux sentir la magie. Non, non, mais j'ai posé cette question à fin utile, tu vois. Je t'ai proposé une solution, tu as dit non. Maintenant, je vais te proposer une seconde solution et tu vas te sentir très mal. Et du coup, tu seras obligé de dire oui. Camp de bandits, Bob. Tu veux vraiment faire le camp de bandits? Ah oui, j'y tiens. Très bien. Moi, j'aime bien tuer les êtres humains. À la réflexion, qui suis-je pour t'empêcher de mettre des pièges et dénucler des gens, si tu veux? Qui suis-je? Ah, déjà, qui suis-je pour t'empêcher de me suivre et de mettre des pièges pendant que j'énuque des gens? C'est ça. Est-ce que je peux... Oh, il y a le marchand, il est là! Oh, le marchand mec. Oh, le marchand, il est béni! Il est apparu au milieu de nulle part. Oh, il est né, le divin marchand. Vas-y, te l'octroie pas seul, bâtard. Je vends toute cette merde. Ah, laisse lui du fric si je peux même plus lui vendre mes gabés après ça. Attends, j'ai 300 balles de pierre, on verra bien ce qu'il lui reste après. Oh, mais vends pas les pierres précieuses parce qu'en fait tous les marchands te les achètent au même prix. Donc c'est comme les barrettes d'or et ça peut être utile pour ouvrir des portes secrètes. D'accord. Bon, bah alors je vais vendre tout. Cet homme qui n'est pas convaincu, d'accord. Alors, je suis à 243, je vais te laisser un peu de thunes quand même. Poudre de cristal, qu'est-ce que c'est ça? On s'en fout. Tant que je peux pas frapper avec, je ne vois pas l'utilité directe. Alors, ça c'est bon. La pioche, elle dégage. Moi, je continue à manger ma bouffe. Oh là 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 là! Je peux pas le vendre. Je suis un peu foutu. Alors, je vais reprendre ça alors. Voilà. C'est bon. Tu peux passer derrière moi. Moi, je m'en pifre si tu veux. J'aimerais parler, rien de particulier, c'est pour vérifier s'il avait une quête. Je voudrais vendre quelque chose. Il a 65$. Oh bah c'est déjà 65 de trop que je t'ai laissé. Alors, elle a un chakram gelé à 2000$ par contre. Ça requiert des sorts de chakram. Mais 2000$, c'est un peu cher. Hein. Le bouclier pourpre, c'est pas le bouclier qu'avait le boss? Ah mais que tu viens de vendre. Oui, je viens de le vendre. Je te conseillerais quand même d'acheter. Je conseille d'acheter les bottes de maître marchand plus 15% de vêtements, c'est de loin les meilleurs. Il les a, il y en a pour 240 piges. Moi j'en ai 50 sur qu'est-ce moi. Qu'ai-je moi J'ai des bottes du désert, mouvement plus 10%. Ouais, non, c'est trop important. Ouais, mouvement plus 15%. Hein. Donc, Bah j'arrive. Les bottes du marchand sont meilleures, hein. Oui, voilà. Au moins ça te fera de l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que j'ai moi, hein. La tenue de marchand, les bottes de marchand, c'est pour ça que je te trace, même avec le piaf si tu veux. Ah là là, monsieur, j'étale ma science, monsieur, je te trace, monsieur. Oh là là, monsieur, on s'en sort plus. Monsieur Trump, le gitan, il arrive, il paye tout, le caribou, il achète la carriole, après, vas-y, passe derrière moi. Alors, machin, il a bonjour, est-ce que vous seriez intéressé pour acheter mes chaussures? J'ai plus d'achat. Tu vois le marchand à poil,
Bonjour, là je ne fais que vendre. La violence. 60 balles les glaives de l'ancienne légion et les boucliers de l'ancienne légion, et 75$ la clé mort de prière. Je vais quand même la garder parce que la clé mort de prière elle est stylée. Nettoyeur de maléfice, allez, ça se vire. Les potions contre le froid, les potions contre le feu, ça se vire. Les tisanes, ça j'en garde. Les chiffons de feu, ça se garde. Les chiffons de glace, ça se vend. Les chiffons de foudre, ça se vend. Les algues magiques, ça se vend. Les barrettes de shit. Tu voudras des barrettes de shit? J'en ai 9. Non, j'en ai 15. Le vin de gavé, ça se vend. Du vernis spirituel, très bien, ça se vend. Il faut absolument que je vende mes fricassés, si tu veux, c'est juste pas possible. Allez, vas-y, vends tes fricassés. Pour l'instant, moi, je suis en train de regarder comment on pourrait aborder ce camp sans faire 3000 km. Vends-moi des potions qui valent cher, bâtard. Ouh non, tiens, la poudre de cristal, ça pèse rien et ça vaut vachement de thunes, ça. C'est très très bon, ça. C'est vendu direct. Ah bah non, il a des joyaux. Bah super, bah passe-moi tous tes petits saphirs, tes opales, tes aigmarines. C'est ce que je viens de lui vendre. La richesse, quoi, la médiocrité d'un homme. Les miasmapodes, pieuvres de marée rare qui renferment les blessures mais empoisonnent. Bon allez, c'est vendu. Les crevettes, c'est pareil. Les œufs, c'est vendu. Les baies, c'est vendu. Les potages, j'en ai beaucoup trop, c'est tout vendu. Les biscuits de voyage, la viande séchée, tout est vendu. Les tartines de gabé pour garder du chaud, c'est vendu parce que j'aurais aucun mal à en refaire si tu veux. Ça c'est vendu, ça c'est gardé. J'ai beaucoup trop d'acier, donc voilà, un petit peu on garde. De l'huile c'est bon, ça je peux le vendre. J'arrive, hein, j'ai presque terminé. Fais-toi plaisir. Et là normalement j'en suis à 80 kilos sur 85. C'est pas mal, je peux vendre encore 2 antidotes. Qu'est-ce qui pèse si lourd? Ah, la torche de flamme glacée. Bah oui, mais ça sert à rien, ça, pour l'instant. Ouais, ça sert à rien, c'est vendu. Le mec en peut plus. Pécable, les barrettes de shit, ça... Ah oui, c'est vrai, j'ai ta tante aussi, non? Ah non, c'est bon, d'accord, j'ai pas ta tante. Il y a autre chose que tu peux vendre, c'est le contenu. Oui, c'est vrai. Alors là, on est bien. Bonjour YouTube. Mec, salut. Ah tiens, j'ai vendu ça, ça c'est gardé. Et là, on devrait être plutôt pas mal, j'ai envie de dire. On est plutôt bien là. J'ai 4 pierres de mana, je pourrais en faire de la poudre de mana, mais pour l'instant, c'est pas intéressant. Vous recevrez 169. Ah, il a que 149, bâtard, vends-moi un truc. Vends-moi une potion d'endu. Super. Et il a 2 lingots d'or, vends-moi ça, bâtard. Le mec est bien. Ok, très bien. Là, enfin, on est bien en termes de poids. Je suis à 58 sur 85. Je sais pas ce que j'ai vendu qui faisait autant de poids, mais voilà. Je peux lâcher beaucoup de sel. Bref, j'ai pas. Alors, dirige-toi vers le nord. Je t'attends juste après le pont. Je peux lâcher une chier de tissu. Attends, je peux juste une seconde. Le tissu. Du bandage à l'infini. En attendant, je vais manger 98, 95, 72. On est bien. Max balles. 68 d'endurance, ça va pas du tout, ça. C'est inacceptable. Est-ce que tu veux des potions, des tisanes? J'ai des tisanes d'endurance. Et de non, maximum. Non, mais en fait, c'est la cause de la magie. La magie m'a drainé mon endurance de façon complètement permanente. Ah, merde, tout ceci m'a l'air fortuit. Alors, attends. Pète. J'essaie de monter cette petite promontoire, mais j'y arrive pas. T'es où? Suis le violet et c'est plein nord. Je suis le violet et je vais plein nord. Buvons. Je devrais te voir au loin quand même. Je bois. Ok, c'est bon. Ah, je te vois, ça y est. Impeccable. Excuse-moi, un gros gisement de fer. C'est les gisements riches. Ah oui, c'est ceux qui te lâchent un truc à 80 ballons, on est d'accord. Non, une grande émeraude et un scarabée de gravier. Eh ben, ça valait la peine. La grande émeraude valait la peine. Je te vois. Alors. Go, fast. Alors, il y a deux choses. Soit on peut aller là et c'est l'entrée. Ah, je peux pas monter, pourquoi c'est bugué? Non, c'est bon. Ouais, soit on peut aller là et c'est l'entrée du rituel de magie. Ok. Soit,
Soit on monte toute la montagne, je suis aussi ouvert là-dessus. Montons. Vivons des aventures absolument folles. Enfin, je sais pas si ça monte ou si ça descend, quoi. T'as mis les bottes de fermier, enfin les bottes de marchand, bottes bleues. Ouais, j'ai les bottes de marchand, c'est mais bon, d'ailleurs, je vais mettre le poulet. Ouais, là, tu devrais tracer ta chatte, voilà, c'est ça. Double-moi à pleine vitesse, vas-y, montre-moi la puissance du poulet. Ouais, je galère parce que j'ai le sac de marchand quand même. Ouais, j'avoue. Oh, ça coupe! Oh, le pèlerinage! Et là, on se chope un piège, mon gars, tu sais. Saignement. Gaz d'âge, quoi, tu sais. Cancer, tuberculose. T'as un petit enfant qui s'active avec une corde qui te tousse dessus, tu sais. Le piège trop élaboré. Dégâts de blé. Toujours bien si tu veux. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Bonne question. Là, il y a une plante. Attends, c'est pas un navet? Oh, un navet. Putain, mais attends, il y a deux ennemis. À couvert! Oh chier! Pourquoi il a pas sorti son épée ce con? Bluff! Il paye le chien! Ouah! C'est bon, j'ai eu le Klebs! Voilà, c'est bon. Il avait nickel. Rien. Et lui, qu'est-ce qu'il a? Il avait un grand marteau de fer. Bandit lieutenant. Et un antidote. Vas-y, je te laisse checker. Ouais, je prends l'antidote et le reste. Même pas, je ramasse. Ouais, voilà, il y a le. Au pire, il y a le. Alors là, il y a un coffre, une seconde. Casse de ravitaillement, deux bandages et 12 flèches. Pourquoi pas des flèches? Et là, par contre, il y a surtout une pierre de mana. Ça vaut le coup d'être extrait. C'est bien. Même si ça rapporte pas grand-chose, ça va vite. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, de l'huile épaisse, regarde! Il va y avoir une source naturelle d'huile, trop. Ouais, j'en ai déjà vu, mais t'en chopes 3, je crois, 3 ou 4, un truc comme ça. 3 huiles épaisses, putain, je suis refait. C'est bon, ça. Ouais, ça, des œufs, je prends les œufs. Oh, voilà, c'est bon. 3 œufs d'oiseau, allons-y. Alors, est-ce que j'ai encore un. Ah, t'aurais pas une petite tarte pour moi, là? T'es tellement mouf à ça, quoi. Ah, c'est maintenant que tu demandes la bouffe? Ah, bah, maintenant j'ai faim. Clébard! Clébar chienne Jude. Tiens voilà, j'ai du ragoût. Plus ça remonte la vie, c'est sympa. T'as pas mieux, non? Non, malheureusement là pour le coup non. J'ai tout vendu si tu veux. Bon bah j'accepte ta regret. Il me reste quelle chienne. Par là ou à gauche? Autant monter puis après, ouais, au pire on descendra par là. Au pire on prendra les raccourcis. Les raccourcis. Exactement. De la roulade risquée. Oh, un navet. Cet homme qui a pris 18 heures d'aventure et un stuff à 10 000 $ est épanoui par le ramassage de narvés. Bah oui, mais on en voit très rarement, je savais pas qu'ils se trouvaient ici en fait. En fait, ils sont sur toutes les terres violettes. Voilà. Stéphane Bern a parlé. C'est excellent. Une pierre de mana supplémentaire avec un scarabée de gravier, excellent. Dégabé, bien sûr, absolument essentiel. De la confection de crème pour les pieds et de soufre au potiron. Tu vas être content, il y a une veine de fer ici aussi. Oh là là, et des narvés, j'ai tout gagné. Par contre, on peut chuter là? Il y a moyen de choir ici, hein, ça me paraît. Évitons de choir. Ouais, voilà. Ne faut pas choir. Ne chutons pas. Très bien. Ah, il y a une petite pente des familles là. Ouais, putain, ça, j'avoue, ça grimpe. Hein. On va se faire les mollets. Ouais, ouais. J'avoue, ça tire. Est-ce que tu as besoin de cru? C'est toujours bon. C'est... Bon, bah, je prends. Vas-y. Au pire, ça se cuit. Mais honnêtement, j'ai envie de dire, rien que pour l'aspect kino, campement en haut de la montagne, de dormir jusqu'à la nuit pour voir la gueule du décor. Une petite vue. Ouais, parce que là, avec une vue comme ça, j'ai envie de savoir, quoi. Tu sais, la respiration qui se fait trop difficile. Ouais, trop bien. Tu sais, avec le sac de marchand de 100 kilos. Ça. Oh là là. Oh là là. Oh putain, chier, attention. Lâche le sac. Ouais. Oh souka. On a mis une. Dieu, salope. Attention à toi. Ouf. C'est les petites pichenettes qui rigolent pas. Bon allez, on va utiliser l'arc. Voilà, empoisonné. Il paye. Ouh, oh là 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 là, cette victoire, mon cher GGG. Oh putain. GGG, manque de pierre. Il a un petit saphir et un œuf de larve, j'ai tout pris. Et une encore... épée rouillée étrange juste là. Tu vois? Épée rouillée étrange. Alors ça. Ça pue la quête, hein. Ça sent l'Excaliburne, on est d'accord. Je vais la prendre.
Vas-y, fais-toi plaisir. Mais ça sent la quête, hein, je vais le dire. Je vais le dire. Le commandant a demandé à ce que cette épée soit digne d'un roi. On va la mettre dans l'inventaire, on verra ce qu'on peut en faire. Hein. Ouais. On verra ce qu'on peut en faire. Très bien, l'argent, on peut le poser là, c'est nickel. C'est ah, j'ai vendu ma pioche, dommage. Bon, moi j'en ai une, tu veux la pioche? Qu'est-ce que ouais. t'as trouvé? Non, non, vas-y, bah y a une mine de mana là, juste. Une pierre de mana, exactement. Eh, mais attends, oh c'est pas la première. Eh, c'est la deuxième fois qu'on croise un truc maudit comme ça. Hein. Ouais, on en a vu un dans le désert. Ouais, qui ouais. nous avait agressé. C'est celui où on a fait attention, on court. T'étais là quoi? Putain. Qui revient en vie à chaque fois. Eh ben écoute, alors, moi je propose, pour l'aspect kino, voilà, c'est ça. L'aspect cinématographique, petit campement. Ah, attends, je vais mettre le feu là. Mets les tentes un peu loin du feu histoire de pas. Histoire de pas te. Je vais mettre vers les buissons un peu nuls. Ouais, je vais le mettre là en fait, c'est très bien. Merde, t'as du bois. Ah. Alors. Ah. L'erreur, un film de Christian Clavier et de Patrick Janson. Putain, je pense que c'est le bon endroit pour lâcher toutes mes clés. Qui me servent à rien. Non, mais moi je les veux, tes clés, si tu veux. Clé de la prison. Clé de la prison. Clé de la prison. Clé. Du bois. Clé. Les... Du bois. Et voilà. Oh putain, attends, une mine de mana. Seconde. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas tout exploré. Attends-moi. Non, mais j'ai juste trouvé une mine de mana, y'a rien, si tu veux. Mais non, reste en haut, garde tout. Moi, je cherche du bois, si tu veux. Fais un feu. bah oui, débile, c'est pour ça que je vais chercher du bois. Avec ta tente, enfoiré. Ce sera un feu de qualité, ça je peux pas te l'enlever. Je suis en train de me taper la descente. Ah, il y a un arbre. Attends, il y a un arbre, c'est bon, j'ai. Un bois. Deux bois. T'as besoin de flèches ou quelque chose? Ouh, attends, il y a un truc vraiment cool là. Bon, je vais prendre plus de bois par acquis de conscience. Eh bah, tu sais quoi, je vais en profiter pour tenter ce petit easter eggs, parce que là, j'ai trouvé une petite planque. Cadavre d'aventurier, j'espère qu'il a un truc cool sur lui. Bien joué. Eh bah, c'était de la merde. Tant pis. Ouh, fabrication home d'amolite. Eh, pas mal ça. C'est intéressant parce que ça te permet de déterminer, en fait, tu peux détruire les bottes d'amolite et le torse d'amolite. Si tu comprends comment fonctionne le home d'amolite, en fait. Home d'amolite, c'est sans doute un type de casque spécifique, plus de l'amolite. Le torse, c'est automatiquement donc un type de torse spécifique, donc du même type que le casque, donc avec la formule C, et deux morceaux d'amolite, et les bottes, c'est un morceau d'amolite comme le casque finalement. Ouais, donc, deux pour le torse, un pour les bottes, un pour le casque. C'est ça le gag. Mais alors, le truc, c'est que pour ça, là, la dernière chute va être compliquée. Comment je vais faire ça? Mais où est-ce que t'as mis ta tente? Je suis mort. Voilà. Merde, t'es mort? La gravité. Ça te alors attends, j'arrive. Voilà, évidemment, ce serait pas drôle si on vivait pas la galère. La galère. Aujourd'hui, dans cette semaine, galère avec Géal. Attends, mais sauvetage je suis même pas de nuit. Sûr que tu puisses me rejoindre. Si, je peux. Donne-moi juste une seconde, je fais le camp. C'est quoi, je finis ouais, le camp. Ouais, bien sûr. Fais le camp. Je finis le camp, je suis en pleine concentration. Voilà. Excellent. Donc avec un petit feu, genre pas trop près mais pas trop loin, genre là. Voilà. Et un autre petit feu, genre là. Voilà. J'allume le feu de camp. Frouch, voilà. Et je mets la marmite, genre là, là. Et le kit d'alchimie. Là. Voilà. Très bien. Je vais poser mon sac afin de gagner de la distance. Je vérifie que j'ai de la flotte. J'ai pas de bouffe. J'ai des œufs sur moi. Ça devrait le faire. Je vais juste les faire cuire rapidement. J'ai des œufs de larves cuits, donc je devrais pas choper la chiasse ou la pire des infections, si tu veux. Et maintenant, où est Jay? Jay est parti. Putain, où est-ce que t'es? Alors là, ça va être l'aventure, si tu veux. Je suis quasiment tout en bas, hein. J'ai glissé, c'était une glissade mortelle. Alors, petit demi-tour, excuse-moi, parce que la nuit commence à tomber et j'ai pas pris de torche.
Donc ce serait pas intelligent de ma part, mais le sac me ralentit, donc je vais juste prendre. Vous avez du. Ouais, ouais. Voilà, très bien. Très bien, j'ai la torche. Ok, donc là c'est full RP, expédition de sauvetage. Allons-y. Sur moi j'ai un flingue, il y a une balle dedans, si tu veux. Je porte mes couilles. Le mec qui descend la montagne. C'est trop chiant. Où est-ce que t'es, putain? Où est-ce que tu t'es foutu? C'est vrai qu'il commence à faire nuit, mon cadavre est en train de refroidir. Non mais j'arrive, je te ferai du bouche à bouche, ça va. Pleure pas, putain, c'est pas possible. Attends, oh. J'essaye de voir s'il y a moyen de m'enterrer. Alors le mec il fait sa mignonne quoi. Non, je m'approche, je te tiens là. Ah ça y est, je te vois. Ouais, je te tiens, ouais, je suis là, j'arrive. Fouh. Allez. Ah là là, donc, bon, on va bien dormir. C'est ça que tu voulais explorer? Non, en fait c'est là d'où je viens. Il y a une pierre de mana. Attends, on est où là? Suis-moi. Moi, je sais pas où c'est. Ah ok, vas-y, go. Voilà, par là, tout droit. Ça c'est beau, les animaux. Un pigeon qui en aide un autre. Oui, non mais c'est... les animaux fantastiques, si tu veux. Putain, les mecs dans la montagne. Et donc à ce moment-là, Jal chute en bas de la montagne. Oh, et qu'est-ce que tu as fait après, grand-père? Je suis descendu avec ma torche et j'ai utilisé notre appel de ralliement. Ké Entendant l'oreille, j'entendis au loin. Je savais que c'était mon ami. Lorsque je suis arrivé sur lui. le pauvre battait à peine de l'aile. Il fallait l'abattre. Mais je n'avais pas d'armes sur moi. Faute de pouvoir finir le travail, je le ramenais au camp. Son œil pourtant mort me dévisageait. D'un air inquiet lorsque j'ai commencé à lui voler des plumes. Oh putain, il y a des effets cinématographiques quand même ici qui sont fumés. Hein. Quoique, et là on est arrivé, et là c'est beau. Alors fais attention à pas chuter quand même, hein. Tu me diras, il y a une rambarde au bord, tu devrais t'en sortir, hein, faut pas déconner. Le mec il économise sa lampe quand même, quel radin. Non, voilà. C'est juste que je la... Regarde, viens te mettre au bord et viens voir par exemple ici vers l'ouest, on voit le village attends, de Cerno. Je suis tellement saturé que j'avance doucement pour ne pas tomber. Mais pose le sac, qu'est-ce que tu fais? Le mec... Excuse-moi maman. Tiens, regarde bien la lumière, ouais. Histoire de pas voir les étoiles. Mais c'est beau, hein. C'est beau. Mon sac prend feu. Le ciel étoilé est sympathique. J'aime beaucoup tout le fait que tout ceci soit alien ou comment dire, très bizarre et étrange, tout dans ce jeu, hein, entre guillemets. Même la lune. Et y a pas d'explication pour rien. Je trouve ça génial. Putain, la lune de sang, mec. Il a vraiment posé toutes les clés. Pour une fois, c'est une lune de sang. J'ai pris toutes les clés. Pour toutes les clés. Alors laquelle n'est pas ma tante? Ça doit être celle-là. Celle que j'ai trop bien installée. Je te déteste. Alors attends. Mais tu sais, le mec, quand ça... Tu fais pas attention, hein, je parle un peu pendant que je dors. Ouais, aucun problème. 2 heures plus tard. Le mec est tellement putain. Lourd, tu sais. C'est le gars, tu sais, en plus, c'est ta tante et tout. Tu entends le mec qui s'installe, qui pète un bon coup, tu vois, qui se bien chez lui. C'est ça, et en fait, t'aurais pas quelque chose à manger? Non, parce que c'est pas que t'as pas encore faim, mais moi si, en fait. Oh zut, j'ai taché un peu ta tante, mais bon, c'est parce qu'elle était mal installée. C'est ça. Bon, tu viens dormir? L'un de nous deux est convalescent. La nuit. Jal, c'est toi qui fais ce bruit? Non? Tu te masturbes pas quand même? C'est avec le masque d'oiseau super chelou. Quoi. Attends, on attend d'autres joueurs, pourquoi? Ah, parce que du coup, je suis sorti. Attends, j'arrive, je reprends la tente. Merde, pénètre. C'est quoi, je pose le sac? Allez, voilà. Alors, embuscade 65%, je trouve ça parfait. Les mecs, ils viennent nous chercher en haut de la tour, Steven. Ouais. Les mecs, ils montent en haut de l'Himalaya. Allez, vas-y.
T'as pas des gabés un peu plus. Tu les frappes à main nue, ils tombent direct, quoi. Allez, je mets 2 heures de garde, 2 heures d'embuscade et 2 heures de sommeil. Ah, moi j'ai besoin de 5 heures de sommeil. Dans ta tente, c'est très important ce détail. On me tient pour le pet, bouffe-toi une heure supplémentaire. De... Tiens, voilà, très bien. Allez, 39% d'embuscade, fermez vos gueules, je veux pas le savoir. 39% c'est quoi? Enfin, c'est quoi 39%? Donc on est à 38 minutes et on est censé aller dans la montagne récupérer de la magie. Hein. On est bien. Non, ça va pas être possible. Franchement, je suis convalescent. J'ai souffert. J'ai fait une chute. Malgré mon masque d'oiseau, j'ai fait une chute mortelle. Allez, on est monté en haut de la montagne, on a vu, on redescend, on entre et on voit ce qu'on peut faire. Rien que la magie, c'est 1 heure, mec. Sérieux? Ah ouais, c'est long. Tu te fous de moi? Attends, à notre niveau, défonce. Non, mais ça nécessite... Les viewers sont d'accord, ça nécessite un épisode à part entière. Jamais. Tu t'en couperas pas, je la veux. Allez, range ta tente, casse pas les couilles. Le mec, putain, je me fais exploser. Je fais ça pour les bonnes œuvres, quoi. C'est ça. Ça va pas du tout, quoi. La victimisation est complète. Allez, tirons-nous. Et là, laisse tout ça, là. Vas-y, moi, jette-moi mais ça. Non, mais moi, c'est mon bateau. Jette ton sac. Le mec qui craque. Allez, vas-y, on se pire. On bourre. Oh, j'ai soif. Je crois que j'ai jamais vu autant de galères depuis un épisode de Stardew Valley, si tu veux. Comment tu peux avoir de la galère sur Stardew? Faudra que tu m'expliques. Et bah, je te jure que les 5 premiers jours, c'est la Zermie. Hein. Ah ouais? Ah bah, c'est la Zermie absolue. Tu sais même pas à quel niveau de Zermie tu te trouves. Et c'est pas un truc plutôt super cool, super zen pour dormir le soir et tout? Ah mais ça c'est ce que ça te fait illusionner, si tu veux. En fait, le jeu il est vénère. Ah d'accord. Si t'as pas arrosé tes pommes, tu manges pas, si tu veux. Le jeu il est de droite, hein. Alors c'est sûr qu'il est confortable, mais le jeu il a pas de connexion internet, si tu veux. Le jeu, pour lui, la technologie la plus récente, c'est la guillotine, hein. Ça déconne zéro. Ah oui, on en est là. Du coup... Je dirais que c'est par là, ça me semble être par là. Sûr de ça? Ah mais non, c'était là où je suis mort. Bah oui, il y a non, un demi-tour pont, attends, il mène d'où ce pont, parce qu'il y a des ruines? Non, au coup, là, c'est demi-tour. Attends. Attends, ça mène à rien. Moi, je saute, hein. Je te préviens, je saute. Attends, il y a une entrée. Passage conflux du royaume héroïque. C'est quoi, ça? Oh putain. T'as sauté? J'arrive. C'est parce que bon, si jamais on a... Je veux voir la magie. Attends, il y a un passage. Mais... passage du conflux du royaume héroïque. Ça porte tes couilles ou pas? Non, mais c'est pas une question de couilles, c'est une question de... Oh, fuck you, on y va. Il y a rien. De quoi tu parles? Ah, voilà. Le mec, il ouvre la porte, mais il y a rien. Il appuie sur la sonnerie, ding, ding, quoi, tu pars. Je mets des cailloux vite fait devant la porte. Je vois rien, mec. Il pose une charge. T'as le gars qui ouvre la porte. Bonjour. Mais tu sais, ça explose. Le mec, non, mais c'est piégé, vaut mieux faire demi-tour. Alors, où est-ce? Voilà. Un mage. Oh putain. Bah, Steam direct. Qui m'a trollé. Allez. Voilà. Ok, on l'a giflé. Genre sorcière de glace, pas mal, elle a du bon stuff. Du coup, qu'est-ce qu'il y a par terre? Il y a une torche gratos, tu veux, une bonne lanterne en plus. Ouais, là, il y a un truc mystique magique. Alors, et là, alors ce qui se passe avec ce jeu, c'est que tu fais tab pour cibler le mec, et en même temps, t'appuies sur mage, du coup, t'as la première et t'as le Steam. Voilà, t'as tous les amis Steam qui sont là. Wouh, salut, tu veux ne pas parler à des gens? C'est la grosse frustration, du coup je me suis pris l'éclair de glace en plein dans la mâchoire. En plein dans la bouche. Et toi ton perso il est sur un portable magique, si tu veux il se prend un putain de tir du mal. Alors attends, avant de faire ça, laisse-moi manger mon sirop de potage, si tu veux. Alors, mon sirop de potage et j'ai bu de l'eau donc je suis frais. Allons-y. Oh putain. Grimper à la corde. Il faut que tu grimpes là. Hein. Non c'est juste un mec. Non ça faut que je grimpe. Grimper à la corde. Grimpe, mon ami. Attention à ta gauche. Voilà un troglodyte. Bien vu, il est mort. Ça en fait un. Pareil pour lui. Ok. Un troglodyte en armure, il avait de l'huile.
de l'huile et du poison. Oh putain, il y avait un corps. Oh le piège! Attends, je saigne, je vais crever vite. Bandage, mon dernier bandage, vite! Non! Ah! D'abord le coffre. Chiffon empoisonné, x2. Et dedans, il y a une canne à pêche. Oh, d'ailleurs, TF4! Attends, la canne à pêche, c'est cool parce que du coup, je vais remplacer ma canne à pêche qui était un peu pétée. Du coup, réanimer Géal. Oh! Mm-hmm. Voilà. Est-ce que tu veux du sirop contre la vie et tout le reste? J'ai tout. J'ai faim. Non, mais attends. Tiens. Voilà, 3T minéraux et 3T qui soignent le max d'endurance et de vie, si tu veux. Ok. Alors, ça, là, on en est là, les amis. On en est là. Est-ce que tu veux de la bouffe? Voilà un ragoût de viande qui va te permettre de te remettre le buff. Là, j'ai tout mis par terre, bois tout. Et là, normalement, tu devrais être full life d'ici quelques instants. J'ai entendu un troglodyte dans le coin qui a dû se prendre un de leur propre piège, quoi. J'avoue. Ouh, une veine de fer, voyons voir. Ouh. De l'huile épaisse, très bien. Est-ce que jamais je prends la magie par une entrée de faction spéciale, ça me force à rejoindre une faction ou on s'en bat les couilles? Non, t'as le potentiel que tu as et les maîtres de magie comme tout le monde, quoi, en fait. D'accord, très bien. Alors, attends, par contre, est-ce que tu aurais une... Attends, mais j'ai des potions de vie, je suis bête. Oui, suis-je bête? À moins que je les ai vendues à Ted le marchand. Non, ah, j'en ai encore trop. Au pire, Putain, j'entends des gens qui se déplacent. On est en plein combat et je sais pas qui... Je sais pas qui... j'ai pris un piège moche. Excuse-moi, je saigne. Vite. Vite. Excuse-moi. Des pièges partout ici, hein. C'est sale. Hein. C'est bon. C'est réglé. Je m'approche avec mon masque d'oiseau. Tu sais, on se colle, on se touche le bec. C'est ça. Non, c'est pas par là. Viens. Ouais, ça m'a l'air foireux. Hein. C'est là. Ils ont mis des pièges partout, les bâtards. Hein. Attention. Au troisième étage, troglodyte. Oula, juste là. Oh les pots. Attention doucement, il y a un piège par terre. Ouais, c'est bon. Ouais, non. Là. Moleste-le. Ouh. Oh la gifle. Bien joué. Oh la gifle. Ça te l'a calmé, mais direct, quoi. Il était là, bonjour. Putain, il s'est pris une bifle. Très bien. Pourquoi il est mort, lui? Oh putain. Oh putain, j'en ai marre de leur connerie. Lui, il est mort à cause d'un piège, hein. C'est sûr. C'est sûr, il est mort. Il avait un champi sur lui. Je suis empoisonné. Alors, j'ai un antidote. J'ai aussi, bon. T'inquiète. Tout va bien. Décidément, je me prends toutes les baffes de ces chiens. Je vais lâcher la boisson de guêpe. Tu vas la boire si tu veux bien. Attends, dès que l'ascenseur a fini de bouger pour éviter que ça bug. Voilà, très bien. Voilà, par terre. La boisson de guêpe, c'est la fameuse boisson qui t'offre de temps en temps quand tu meurs. C'est bien, ça fait un tiers de tout. C'est gratuit. Attends, il est où le piège là? Juste là au sol là. Ok. Ah, c'est par là, attends. Mais c'est là qu'on vient. Oh, c'est de là qu'on vient. Et là, il y a un piège, tu vois. C'est de là qu'on vient. C'est de là qu'on vient. Alors là, c'est fermé. Bon, bah alors, elle est où l'histoire? Bah, c'est de là. Ah, j'ai de là fait descendre l'ascenseur. Et voilà, je suis tombé à nouveau. Un génie, cet homme. Alors, à travers le bois, c'est quand même beau. Attends, je te remonte l'ascenseur, t'embête pas. Ok. Mais c'est de là où on vient? Pourquoi tu... Putain, j'ai marché sur le piège, ma vie pourrie. Piège? Ça commence... J'aurais dû refuser cette putain de caverne. Ah merde, je suis encore en train de monter, pourquoi je monte? Je veux descendre. Non, au secours. Pourquoi il y a encore des étages? Vas-y, continue. Continue. Non, ah! Ah mais attends, mais s'il y a encore un étage, c'est bien. Oui, c'est bien, mais là, ça ne fait que me faire monter et descendre, en fait, si tu veux. Alors... Ouais, pas mal, c'est la bonne. Donc monte à bord, monte le truc et attends-moi au deuxième étage. Je vais éviter ce piège à la con là par contre. Merci. Voilà. Ok, je grimpe. Il joue au démineur, hein, j'avoue. Attends, je recharge mon pistolet. C'est bon. Ah, interagir. Mais là, ça marche. Oui, alors attends, ne bouge pas. Comment faire? C'est peut-être quand attention au piège. Si là, je les remonte. Okay, ouais, mais je peux pas rentrer en même temps. C'est peut-être un truc qui a... Ah, il y a deux poignées. Attends, et là, ça l'a fait monter encore plus haut. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on va faire... Mais quel débile. Ah, mais j'ai il a fait la même chose que moi. Ah, mais le piège se réacte... Ah. Grimpe dans cet ascenseur, Bob. Le piège se réactive une deuxième. Je t'envoie tout en haut et tu devrais et surtout avoir une poignée pour te ramener, ouais. Voilà. Voilà.
J'avais pas compris que le piège se réactivait, si tu veux. Ah, j'ai pas de poignée. Moi, je l'ai bien. J'ai pas de poignée, y a rien, j'avance. Attends, je descends. J'avance et y a encore un ascenseur. Un ascenseur qui ne me permet pas de passer, si tu veux. Ok, alors attends, je grimpe, je suis au premier, là. Comment on va faire? T'as aucune poignée, c'est ça? J'ai aucune poignée. Je peux prendre un risque en faisant une roulade absolument folle. Ouh oh Dark Souls. Eh, mais là, je suis là. Oui, mais je viens de faire une roulade par-dessus, si tu veux. Ah, d'accord, ok. Donc attends, ça c'est le poignet. Là, ça, ça le fait grimper. Et ça, ça le fait descendre. J'ai tout activé en même temps, j'ai tout fait bugger, je pense. Ça, ça le fait grimper et ça, ça le fait descendre. Mais en fait... Ah, j'ai compris. Attends, ne bouge pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer à l'intérieur la poignée pour... Là, elle est en bas. Elle est en bas, la poignée, donc on peut y aller. Ah. Ah. Attends. Il est où le piège, là? Ouais, gaffe. Il est sur le deuxième virage, là. Il est là. Oh, c'est putain. Bon. Allez, c'est, là, on a c'est esquivé, grimper, c'est esquivé. Ouais, yes. Super, bien joué. Grosse énigme. Du coup, maintenant qu'on est tout le en haut, comment on passe là, du coup? Grosse question à laquelle je n'ai pas la réponse. Après, moi je dis, ça se tente la roulade. Ouh, ça passe. Ça fait 5% de ta vie, ça le fait. Mais c'est là où on était. Non, regarde, il y a des gens. C'est okay, pas là où on était, c'est la suite. C'est bon. Putain, mais... Chaque fois, je lui dis de sortir son arme, mais il la sort pas. Mais du coup, j'ai fait n'importe quoi avec les poignées. Attention, il y a peut-être des pièges de partout. Ouais, lui, il est mort comme un caca sur un piège. Et il a un bâton magique de troglodyte. Ouh, putain, des champignons étoilés. Je prends... Quoi d'autre? D'accord, ça doit être. Ah, mais c'est là où on était. En fait, on était à côté. T'es sûr? Oui, il y a le piège de merde, juste là. Ah! Il a fait une... C'est obligé. Ah non! J'avais pas compris. Ah putain! Ah moi aussi! Tirons-nous de cette caverne. Mais quelle galère! Ouais, mais et la magie? Mais la magie, elle est partie, on n'était pas dans la bonne grotte de base, quoi. Mais t'es sûr? On est dans une grotte sans aucune putain de magie. Et voilà, je suis tombé. Ça tombe. Bon bah je descends, on va voir ce qu'il y a. Wow, mec, ramène-toi vite. J'arrive. Wow, j'arrive, l'agression. Putain, je l'ai raté. Oh, putain. Ouh. Attention, il est balèze. Putain. Lâche le sac. Bref. Ok, il a payé. Ah putain. Ouh. Ah. Joli. Il est mort. Joli. Il est mort. Chaud. On est bien. On est bien. Ouah, mais on est où là? Ah bah elle est là, la magie. On l'a cherchée. Et bah grâce à ma chute, tout revient dans l'ordre. Ah bah il y a un autre Pokémon, faut faire attention. D'ailleurs il est bizarre, ce Pokémon. Il y a un Pokémon qui est très bizarre qui approche. Attention. Non, ne viens pas, ne bouge pas, ne t'approche pas. Je vais mettre un piège. Non, je vais mettre un piège pour lui. Pour cet enculé, mystique, j'arrive, je vais mettre un piège. Décale-toi, tu m'empêches de poser le piège. Ah putain, ouais. C'est quoi ce truc? Ok, t'inquiète. Il a une rapière, il est vénère. J'ai mis un piège hémorragique, il a aucune chance. Ok, je vais l'attirer avec. Vas-y, mets-lui une flèche. Moi, je vais charger mon flingue. Putain. Bordel de merde. T'as le temps. Respire. Prends ton temps. Non, mais il y a un truc de très frustrant avec les PNJ dans le jeu. C'est qu'ils s'arrêtent toujours une seconde avant tes prévisions ou ils continuent toujours. Normalement, ils devraient me voir. Voilà, j'ai fait du bruit. Il se tourne vers moi. Il a sous-bodoré. Putain, ça lui a rien fait. Mais c'est une blague. Je peux pas le toucher. Après, c'est un golem de métal. Ah ouais, hein. Ça y est. Recule. Ouh. Oh la balle. Ouah tiens, plaît, je suis mort. Tout va bien. Ouais, vas-y. Moleste-le tant qu'il est au sol. Oh putain, j'ai plus d'énergie. Oh là, golem tranchant. Putain, rapière de golem brisée, flèche et poudre de cristal. Prends les flèches.
Bah tiens, tu veux des flèches? J'ai pris les flèches, mais si tu... Non, non, c'est bon, bah épée brisée, ça va aller, mais... Waouh, waouh, waouh. Alors... Wow. Ah, par contre, il m'a mis mal. Il m'a mis ma chienne. Étoilé. Ah, il m'a fait payer. Rend le max de vie. Très bien, un petit coup de thé. Très bien. J'étais à... J'allume la torche, il y a un piège juste là, et j'étais genre à 1 mm du piège. Et cet endroit est serious business, hein. Ah, les mecs, ouais, ils déconnent pas. Hein. Alors, il y a un coffre. Il te reste rien pour régénérer de la vie. J'ai des potions, tu me diras. Grand marteau brutal. Potion de résistance élémentaire. Thé minéral et reste occulte. Ouais, c'est cadeau pour toi, mon ami. Où est-ce que t'as trouvé ça? Fais gaffe au piège. Ouais, j'ai vu. Parce que si je me le bouffe pas. Ok, ouais, c'est tout pris. Allez, hop. Parce qu'il y en a un à ma gauche aussi, attention. Ouais, j'ai vu. En fait, il y en a partout. Il y en a, bah, genre y a un partout. Cadavre de soldat, il a des bottes en fourrure, mec. Et une tenue de marchand. Et ben. On s'en fout. Donc, si on peut pas passer par là. Attention, il y a vraiment des pièges de partout. Ouais, ça passe pas par là, on est d'accord. Ouais. Ah, il y a un cadavre d'aventurier là. Tenue de marchand, bottes ouais, de fourrure, il, ok. Il a rien, c'est ce que je t'avais dit. Et derrière le wagon là, il y a quelque chose? Non. Non, rien. Dans le wagon. Oh, on peut. Ah bah non. Ah non, c'est buggé. J'y ai cru pendant une seconde. C'est juste buggé, il y a trois pièges dans la zone, hein, putain. Ouais. La zone est serrée quand même. Hein. Ils sont pas là pour rien. Il y a des flèches contre le mur. Ah bah c'est les tiennes, t'as trois flèches dans le mur. Ouais, c'est bon, j'ai trop de flèches. J'ai tout pris. Allons-y. Alors, tiens, du coup, donc, par là, c'est ça le tas d'où on vient. Ah, un tas de merde, super. Dans le tas de merde, oh, une omelette demi-heure, un kit d'alchimie et un champignon commun. Bah je prends tout. Hop là. Et bah bien. Moins, on est bien, ouais. Alors par là. Bien joué la poignée, j'avais pas vu elle. Les champignons, alors... c'est pour faire des barrettes de shit. Excellent. C'est toujours Bob, bien. Tu saignes? Non, c'est pas le saignement, c'est la douleur. Il m'a fait une cicatrice, l'enfoiré. Et donc mon personnage va se prendre plus de dégâts pendant un attention, certain temps. Attention, piège à ma gauche. J'ai vu le piège, voilà. j'ai vu le piège. Et on j'ai l'impression venu, hein, qu'on revient encore au début, voilà. Donc il y a une énigme. En fait, il faut que les deux... il faut, mon cher Gial, que les deux ascenseurs soient tout en haut. C'est ça, en fait, l'astuce. C'est ça. Ah ouais, je viens de piger. Ok. Est-ce que tu peux faire redescendre l'ascenseur comme tu avais réussi à le faire la première fois? Ouais, j'aimerais bien. Alors, c'est par là. Alors, je vais baisser le levier principal. Attention au piège. Voilà. Et le deuxième ensuite. Ok, vas-y. Donc, comment ça se fait? Ah, d'accord, attends, je sais. J'ai compris. On monte tous les deux ensemble. Attention au piège. Ah, très bien. On monte tous les deux ensemble. Voilà, comme des poulets. Ensuite, va devoir activer le deuxième, parce qu'on n'a pas le choix, attention. Pour le faire monter, et ensuite, quand tu vas le faire descendre, ça va descendre automatiquement la trappe qui est dans l'ascenseur de... Et comme on le descend que de un étage, c'est bon. Donc là, il faut que tu le fasses monter. D'accord. Et ensuite, on le fait descendre, mais que de un étage. Avec l'autre poignée, très bien. Voilà. D'accord. Quelle que soit la poignée, en fait, c'est juste que ça va... D'accord, tu sais ça que... Ça va descendre attention la poignée qui est dans au l'ascenseur. Piège au deuxième virage, pas celui-là, celui-ci. Voilà. Attention au piège. Très bien, donc là on peut monter. Dans la théorie, oui. Et maintenant, nickel, on fait la même chose avec le deuxième. C'est juste que le deuxième, il faudra qu'on remonte par l'ascenseur qu'on vient juste de prendre, par le premier. Et là, il n'y a plus qu'à descendre, non? Non, regarde, tu vois, regarde là. Là, en fait, cet ascenseur là. C'est cet ascenseur qu'il faut activer. Qu'il faut faire monter une deuxième fois. Mais il faut le faire monter, puis descendre. Comme ça, il sera en haut et on pourra passer et franchir, tu comprends? Donc la roulade se fait ici, en fait, viens là. Alors attends, juste une seconde, bah autant descendre par là, pourquoi s'emmerder? Parce que tu as pété une jambe? Voilà, ça y est, je suis descendu. Et du coup, tu peux activer l'ascenseur? Parce que tu peux l'activer et monter, c'est divin. Non, en fait, il n'a pas de manette cet ascenseur. Pas de manette? Ah bah parfait. Bah écoute, fais le grand tour, si tu veux bien. Tu peux pas faire le grand tour? Si, tu peux faire le grand tour là. Ok, je suis descendu. Donc cet ascenseur, comment on l'active? Bah avec la poignée qui est là, je vais le faire. Je vais le faire monter une deuxième fois. Voilà, c'est ça. Il est monté tout en haut. Donc maintenant, si on redescend tout au rez-de-chaussée, si tu t'es pris un piège. Ouais, tu l'as entendu. J'en suis bien pas sûr, très fier. Je l'ai entendu clipser de là où je suis, si tu veux. Si on redescend tout en bas, maintenant, il suffit de remonter par le premier ascenseur et le deuxième ascenseur sera déjà monté. Et donc, on peut monter tout en haut. Tout à fait, parce que l'ascenseur est déjà en haut et il pourra nous servir de passerelle. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Allez go, on va voir.
Hop là. C'est parti. Donc on refait la même stratégie, il se bluffe. Alors juste pour info, je peux plus me permettre de prendre aucun piège. Non, ne bouge plus, ne bouge plus, ne bouge plus, reste dans l'ascenseur. Ok, je vais. Reste dans l'ascenseur, reste dans l'ascenseur. Voilà, je trace. Les énigmes, hein. Grosses énigmes, les enfants. Je fais un petit feu de camp. Ne touche à rien. Pas dans l'ascenseur, c'est bugué. Touche à rien. Voilà, donc voilà. Là, la trappe est redescendue, il n'y a plus qu'à t'attendre. Le levier, tu veux dire, le levier. Le levier, bien sûr. Impeccable. Donc on est là. Et là, je le regarde et... Oh et... Trop chiant. Alors. Ok, et là, regarde, boum. C'est une passerelle, et ça passe. Quel génie. Attends, il y a un piège. Ouais. Avant, je propose de se reposer, manger, boire, non, la totale. Non, 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 on arrive à la magie, mec. Bravo. Ah bon ? C'est la magie ? Chambre du conflux. Mais il n'y a pas c'est des méchants dedans ? Non, je crois qu'on arrive directement à la fin. On va voir. Ah, attends, je suis un peu trop lourd. J'ai genre 5 kilos trop, parce que j'ai un grand marteau brutal. Je sais même pas où est-ce que je l'ai récupéré, si tu veux. Il y a des vendeurs, il me semble. Donc, garde-le. Trop tard. Hop, vendu. Deux morceaux de fer. Les personnages départ n'ont pas accès à la magie. Il faudra débrouiller le mana à une ligne de force. Oh. La magie ! C'est quand même super marrant qu'on arrive au même endroit. C'est-à-dire que tu vois, les donjons qui sont géographiquement proches peuvent se rejoindre. Oui, tout à fait. Mais en même temps, s'il y a trois c'est entrées ouf. Dans la montagne et que le centre de la montagne, c'est là où il y a la magie. Ouais, je trouve ça ouf. Enfin, j'aime bien. C'est bien, je trouve ça sympa. Et je suis sûr que l'énigme est différente. Et Alors, c'est peut-être la baisse au final. Oh non. Ah non, c'est bon. Bon, on va voir. Oh là là. J'ai eu la peur de ma vie. J'étais là. Oh non. Alors attends, on est où là ? Putain. Par rapport à la chambre. Là, il y a une poignée de porte. Passage du conflux de la chambre bleue. D'accord, ah bah en fait, le chambre. Non, mais c'est pas là. Si ? Attends, explore si, d'abord. C'est pas par là. Attends, je vais aller de l'autre côté. Et nous, on a fait le passage du conflux du truc héroïque. Eux, c'est le truc de la chambre bleue. Je veux rien à voir avec la chambre bleue, si tu veux. Ils vont crever. Par contre, ce pont, il s'écroule ou pas ? Ah si, mais si, c'est la chambre bleue. Hein. C'est là pour le. Mais non, mais regarde, il y a un immense truc de cristal en face de nous. C'est la magie, ça. Oh, armure on va dans le mauvais sens. Attends, je vais voir. Ouais, attends. Si, on va dans le bon sens. Ouais, t'as raison. Tu vois, voilà, c'est ça. Non, c'était juste l'entrée de leur énigme à la con. Hein. Oh là 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 là. J'avoue. Oh, c'est le beau. Rayon pénis, c'est la goutte. Oh. Voilà, c'est le. Je reviens. Enfin, franchement, il y a un truc qui me fait quand même halluciner. Obtenir c'est de la mana. Cinquième sentinelle. 10 développeurs, c'est-à-dire que la moitié d'entre eux doivent être dans le décor, et il y a des mecs qui ont pondu ça à 3 ou 4, quoi. C'est juste. Du mana vous guide sur la route du succès. D'accord. Donc, si je sacrifie quelques nuits de sommeil et quelques points d'endurance et de vie, je peux gagner l'accès à la mana. C'est ça. Ce qui est pas mal. C'est avec elle qu'il faut parler. Attends, il y a des marchands à l'étage en dessous. Il y a des gens. Parce que je veux d'abord discuter avec les gens avant de parler à la personne finale, si tu veux. Qui est cet homme, par exemple? Tu peux leur discuter, mais ils ont rien à dire. Qui est ce colossal fils de pute? Quatrième sentinelle. N'hésitez pas à utiliser la... Je voudrais acheter un truc. Bâton de maître, d'accord? Bâton d'érudit, ok? Chakram. Diadème d'érudit. Ah, et d'accord, c'est du matos qui réduit le coût en mana, j'imagine. Des potions de mana. Un glossaire, livre utilisé pour lancer des sorts uniques. Pas tout de suite parce que c'est pas ce que je cherche. Nettoyeur de maléfique, pierre de feu, pierre de givre, potage, potion de vie, potion d'endurance, potion d'instal, je vais faire. Qu'est-ce que t'as fait ? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien, j'ai appris un sort. Oh, elle m'a fait peur, putain. D'accord, tout va bien. On va prendre ça. Qu'est-ce que je peux lui vendre ? Qu'est-ce que je peux lui vendre à ce sac à merde ? Les œufs de larves cuits. Achète ma merde. Robe des arcanes, ça je le garde parce qu'ils me vendent la robe mais elle est nulle. Clé mort de prière, je le garde. Dagra roulée, c'est vendu. Excalibur, on le garde. Bâton de troglodyte, tout coup en mana, moins 10. Et merde, c'est intéressant en fait à garder. Ouais, ça. Tu vas pas te trimballer avec un bâton de même pour un coup en mana de moins 10. Quoi. C'est merde. Ça, c'est 6 kilos. À un moment, je me respecte si tu veux. Voilà, exactement. Voilà. Les champignons étoilés pour les élixirs de restauration de magie. Du narvé, je crois que je peux faire des potions avec ça. Des crevettes azur, restauration du mana, mais qui peut rendre malade si je mangeais cru. Les œufs, je peux les jeter. L'omelette du mineur, c'est vendu. La viande, c'est vendu. Les scarabées, c'est gardé. Je vais vendre un peu d'huile, quoi. Je pourrais te faire des balles, c'est toujours pratique. Je vends un kit d'alchimiste. Les restes occultes, tout est vendu. Et puis voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vendent là ? J'espère qu'il a encore un peu d'argent quand même. Oui, il lui reste 1500 balles. Hein. Tu peux. Ah, ça va là. Tu peux N'hésitez t'étoffer. N'hésitez pas à utiliser l'un de nos bateaux pour retourner à la surface. Oh.
Oula. Si tu le dis, Michel. On approche de la fin. Le GG qui est là. Ouais. Le GG, il a eu une semaine compliquée. J'avoue. Complexe. Tout va bien. Il va aller se poser tranquillement sur Peaking Blinders après. D'ailleurs, je te conseille cette série. De la ligne de force. Pouvez-vous m'apprendre la magie? Pour déverrouiller le pouvoir du magie. Malin, il vous faudra d'abord la mission divine et le royaume de Levant ont également leur propre route jusqu'à cette chambre. D'accord. Je remarque que la majorité des mages portent pas de casque lourd. Si vous voulez lancer beaucoup de sorts, je vous conseille. Non, mais c'est pas à lui qu'il faut que tu parles. Qu'est-ce que le mana et comment est-il possible de le contrôler? Bon, ouais, exactement. Mais non, mais je cherche les vendeurs, moi, en fait. Les mecs qui t'apprennent des skills et tout, si tu veux. Alors là, t'as lâché des potages de narvé et des sacs de couchage, donc je déduis que t'étais là. La magie. J'ai rien lâché du tout. Guerrier patient. D'accord, ça veut dire qu'ils ont laissé à notre usage des sacs de couchage. Les mecs sont. Oh putain, il y a un atelier de cuisine gratos. Oh bah super. Oh merde. On est refait. Non mais attends, moi 5 secondes, je fais un peu de thé. Voilà. C'est ce que je craignais. Je fais quelques tisanes. Secondes. De la confiture de gabé. C'est garanti. Ah, j'ai besoin de pierre de feu. Est-ce que t'as une pierre de feu sur toi? Ah bien sûr. Non mais je peux en faire. Attends, mais je vais en acheter. Non, je peux en faire. Pierre de mana plus de l'huile, ça fait une pierre de feu. Du moins j'en suis persuadé et je veux essayer la théorie. T'es prêt? D'accord, vas-y, essaye la théorie. Mais il me faut de l'alchimie, pardon, il me faut un set d'alchimie. Ok. Donc, oui, achète-lui. Parfait. Putain, le mec, il a des bougies sur son armure, il est fumé ou pas? Il a quoi? Il a des bougies sur son armure. Attends, on va faire un feu de camp, j'ai du bois. Et je vais mettre l'atelier d'alchimie dessus. Voilà. Voilà, comme ça au moins. BDBDF, feu de camp. Faire un feu de camp à l'intérieur d'une grotte, super. On est idée. Bien. Top idée. Hein. Les meilleurs suicides sur Rire et Chanson. Avec Robin Williams. Non, excusez-moi. Du coup, pierre de feu. J'avais raison. Pierre de mana et huile épaisse. Vrai. T'en as besoin que d'une? Non, j'ai juste besoin d'une pierre de feu pour tester un sort, en fait. Ouais, c'est ça. Tiens, voilà, c'est posé. Nickel, merci bien. Je peux en faire d'autres, les pierres de mana, je commence à en avoir 11 en fait, donc il y a peut-être moyen de faire 4 ou 5. Mais j'espère que c'est pas inconsommable, attends, on va voir. À mon avis, c'est inconsommable. Bah, ce serait bien triste. J'en fais 3. Je te les lâche, comme ça au moins. Ah, j'ai lâché 3 pierres de feu à tes couilles. Ok, bah, je vais tester ça. Je peux faire des charges incendiaires, des charges toxiques. J'ai testé ça au calme, ouais. Potion de brume, potion de chaleur, potion de vie. Ah, les fameuses potions de vie. Et bah voilà. Absolument essentiel. Un peu de poudre de cristal. Parce que ça permet de réduire les cailloux. Putain, je trouve plus où sont les sorts. Attends. Je trouve plus où sont les sorts. Voilà. Et avec qui tu as pris le sort? Avec la greluche qui est tout en haut? Oui. Alors déjà, il faut que tu ailles faire ta magie tout en haut. Ouais, il faut que je fasse faire ma magie. Fais-le. Alors moi j'ai pris 100 points de magie, mais je le regrette un peu parce que ça m'a coûté cher en endurance quand même. D'accord. Eh ben, allons-y. Première sentinelle. Voilà donc. Vous êtes là, j'ai ressenti une personne au potentiel magique approcher. Alors. Si vous je trouve pas les sorts, mec. C'est ouf, quoi. Ah mais oui, il y a que les raccourcis. Ouais, vas-y, pas de soucis. Attends, il me parle. Attention à la quantité de vie et d'endurance que vous donnez. Tu me disais? Car vous ne pourrez pas la récupérer. Ouais, bah très bien. Je suis désolé, on termine et après... Moi, je vis le moment le plus solennel du jeu, tu sais, celui pourquoi on a fait 2 épisodes vidéo là, total. Et... Ouais, non, mais bien, ouais, flex, ouais. Ouais, bien. Ouais, sinon, ce soir, bien ou bien? Vous allez donner votre vie et votre endurance pour du mana. Ouais, tu te restes des potirons. Avec votre première acquisition de mana, vous obtiendrez votre premier sort, l'étincelle. Il n'y a plus de papier dans les toilettes. Attends. D'accord, très bien. Ok, allons-y. Vas-y. Interagir. Alors, à cet égard, je vais enlever mon masque de poulet, si tu veux. Quoique ça fait de moi un chaman, si tu veux. Voilà, c'est bon. Mana plus... Oula, vie plus 125 plus 20 plus 1, 115. Ah d'accord, c'est 5 par 5. Et toi, t'en as pris pour 100? Donc t'as perdu genre 25 de chaque. Aïe. Ah ouais, j'ai choisi. Mais au final, c'était une erreur parce que je l'utilise pas, quoi.
2, c'est peut-être pas mal. 90, ouais. C'est pas si mal. Pour 40. Et si je prends le point de breakthrough auprès du mage runique, j'en obtiens encore 40. Et comme les sorts runiques coûtent 8 chacun, ça me permet d'en invoquer 10, si tu veux. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Ouais, plus 2, ça m'a l'air bien, allons-y. Allez. La magie! Elle est partout! Ah, je brûle! C'est bon? C'est fait? Est-ce qu'on peut faire une roulade ici? Vraie question. Mais c'est fait, j'étais pas censé passer plusieurs jours à me contorsionner dans tous les sens et à faire la danse du zboob, si tu veux. Non, non, tant que t'as rempli le formulaire B52 et que tu as lu et encoché toutes les annexes, c'est automatique. Ouais, je peux faire des sorts de brume, je peux faire des sorts de brume, de chaleur que j'avais déjà appris. La main s'imprégnée, la manœuvre de Siméon, ça n'a rien à voir. Ah oui, j'avais appris les 4 runes. J'ai les 4 runes. Alors, non, du le coup... mec, il a les 4 runes. Ah merde, nécessite glossaire. Merde. Bon bah tant pis. Nécessite lecture. Oh merde. Et merde. C'est ça. Bon tant pis. J'ai l'étincelle. On va voir si ça marche. Tu crois que je peux acheter un glossaire juste en dessous, hein? Oui, hein, il me semble. Parce que si on peut voir, si on peut faire de la magie. Waouh, regarde ça, mec. Va acheter le glossaire. Bienvenue. Je suis un gardien. Qu'est-ce que le mana, est-ce que c'est possible de le contrôler? Où est-ce que t'as appris un sort, toi, du coup? La troisième sentinelle. Et l'arme. Je voudrais m'entraîner avec vous. À maîtriser le froid. Le bonus de froid vous permet de résister au froid et givre et augmenter la puissance de votre propre magie de glace pour 50 dollars. Ouais. Écoutez-moi. Wow, c'est complètement pété. Pardon. Viens voir. Viens voir juste là où je suis. Super important. Vite. Ah, oh là là. Et ça marche pour moi aussi. Ouais. Oh, normalement. Oh, c'est trop bien. Shazam! Je ne suis pas un pyromane! C'est trop bien. Maintenant qu'on a appris les sorts, on peut foutre le feu à l'endroit, quoi, tu vois, histoire que personne d'autre derrière nous ne connaisse. Et si je sors? J'avoue. Ah ouais, c'est nul. Si tu sors, c'est nul. Attends, j'ai du potage de narvée pour la régénération du mana, si tu veux. Ok, si tu sors, c'est nul. Ok, très bien. Attends, il faut absolument que je parle au mec tout en haut. Et il y a que lui qui t'apprend un sort ici? Bienvenue. Je voudrais m'entraîner avec vous. Je peux vous enseigner le sort lance-flamme pour 50 argent. La magie. Ouais, voilà, c'est ça. Une lanterne ou une torche? Oui. Écoutez-moi. Et ben voilà. Essayez de pousser l'air dans votre lanterne. On a appris lance-flamme. Ça va être l'heure de la fin de la vidéo. Ouais, j'avoue, mais attends, il faut tester le lance-flamme. Bouge pas. Lance-flamme, et il me faut. Mais c'est ce que j'ai fait, non? Torche dans la main. Non, regarde. Lance-flamme, tu peux la prendre auprès de ce gars. Attention, regarde. Hacha! Ah ouais, c'est ouf. Attends. Presque éteinte, lanterne d'explorateur. Merde, ça nécessite des torches. Pour la magie. Ah. Écoutez-moi. Donc en fait, tu consommes une torche à chaque fois, quoi. Bah oui, mais honnêtement, si t'achètes de l'huile à la maison, c'est pas non plus... Putain, ça coûte cher la magie, quoi. Bah oui, évidemment, oui. Sauf les runes, je veux tester les runes. Une seconde. Attends, je mets ça dans le sac. Je re-remplis ma torche, parce que sinon j'ai... Il suffit juste même de te balader avec plusieurs torches. Si jamais c'est ce qui t'inquiète. Et là, boum! Attends, mais je viens de te cocher une flèche dans le bec. Ah merde. Non. Je le vis bien. Alors attends, il faut juste que j'achète un glossaire. Et après, il faut qu'on associe les mots avec des concepts. Et ça nous permet d'invoquer des sortilèges en plusieurs temps. C'est quoi le jeu de société pour ça? La magie. C'est Et l'arme du guerrier patient. J'ai perdu le titre. Parfait. Pictionary? Ouais, voilà, c'est chute de la blague totale, quoi. C'est pas grave. La magie ici, c'est Pictionary, je suis extrêmement déçu. Mais merde, qui vend du merdier, putain? Je vous conseille de porter. Personne. Qui est l'enculé qui vend du stuff? En fait, ils ont tous fermé boutique parce que c'est la fin de la vidéo. Attends-moi une seconde, s'il y a pas le. La fin! Attends, c'est peut-être ce clébard là. Si c'est ce clébard, attends, c'est bon. C'est bon, j'ai le livre. C'est bon, j'ai le bouquin, attends. Tu n'entends donc pas le rideau qui se ferme? Tais-toi, regarde. J'ai le livre. Donc là maintenant, je tiens la bleubie, si tu veux. Attends, je récupère un Harvey. Voilà. Oh putain, il est encore en train de récupérer. Je tiens la bleubie, attention, t'es prêt? Vas-y. T'es prêt? Attention, gros concept, ouais. Hein. Tension, hein. Recul, hein. Tension. Shim et Got. Shingot. Shim. Bah quoi, ça marche pas?
Il faut que je l'associe dans la page, en fait. Il faut que je l'associe dans la page, d'accord. Ça prend 4 emplacements, ok, c'est bon. C'est trop tard, Léna. Trop tard. Regarde, j'en ai rien à foutre. Regarde ça, tac, pack et pack. Ok, t'es prêt? T'es prêt à avoir de la vraie magie? Shim! Hey, gosse! Qu'est-ce qui m'arrive? Oh là là! Regarde ça! Grosse oh, bite ou Dieu. Pas? Ce regarde reste ça. La légendaire épée de fin de vidéo! À vous! Incredibilis! Etiam! C'est là, hein? Ouais, je peux invoquer t'as regardé ses stats? Furtivité moins 50. Attends, épée magique qui est invoquée à une durée limitée, 150 secondes, je pense, hein, environ. Et fais voir. Et ses stats, c'est 28-12, hein, pour une épée, c'est pas dégueulasse du tout. C'est pas mal. 28 de magie des ténèbres et 12 d'impact. Donc c'est pas dégueulasse du tout. C'est sympathique, hein. C'est sympathique. Et enfin, un autre c'est sortilège. Propre. Attention. Chazzy, mana insuffisante. Ah, régène. Ça ne régène pas, t'es au courant. Régène. Si, ça régène parce que j'ai bu un potage de navet. Ça prend juste un peu de temps. D'accord, potage de navet. Ça prend juste quelques instants. Alors, moi, je vais Chazim. Je l'ai peut-être invoqué trop tard par rapport à la deuxième rune. T'as raison, je me suis fait baiser de la bite. Non, mais je pense, plus sérieusement, je pense qu'on aura le temps de voir tout ça dans oui, une prochaine vidéo. C'est ça, il en peut plus, il bourre, c'est pas grave. Dans tous les cas, merci infiniment, brave gens, on vous remercie. Ça y est, je fais de la magie, maman, je suis un vrai sorcier. Oh, regarde ça, c'est merveilleux. Merci infiniment, Jal, pour ton aide et on te fait des gros bisous. Allez, va dormir, c'est vendredi soir. Non, mais je vais pas dormir, c'est juste qu'il faut que je bouge, faut que je fasse plein de trucs. Mais libre à toi de continuer. Non, mais je vais m'arrêter sinon aussi. Je vais me faire non, mais attends, tes viewers, ils vont me détruire sinon. Mais non, ça va bien se passer, on t'aime. Je vous fais des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Allez, zou. La magie. La magie. Oh. On peut pas tomber.